I suggest you take a rest. Do you wanna mess with this? One of the best yet. We've got it. You can feel the realness in this business of rap. And on that note, let's get back to the program. Salut à vous les amoureux des tire-fesses et bienvenue dans Tribu. Nous sommes très fiers car pour la deuxième année consécutive, nous vous proposons le Samsung Snowjam, le championnat belge de ski et de snowboard de freestyle. Les meilleurs riders de notre plat pays se sont donné rendez-vous ici, aux Deux Alpes, afin de s'affronter dans plusieurs disciplines comme le slopestyle, le big air ou encore le ski cross. Mais nos riders ne seront pas totalement dépaysés puisque plus de 2000 Belges ont fait le déplacement afin de faire la fête pendant 11 jours de pure folie. Bref, une vraie snow party dans tous les sens du terme. Au sommaire de ce spécial Samsung Snowjam 2013, des riders belges qui envoient du gros, même du très gros. Notre envoyée spéciale Sophie Pandeville qui arpente les pistes des Deux Alpes et qui nous entraîne à la poursuite des Belges qui ont envahi la station, car ils sont plus de 2000 à avoir fait le déplacement pour rider, faire la fête, assister à des concerts et envoyer du gros, du très gros. Et un qui n'a pas fait le déplacement pour rien, c'est DJ Furax qui affronte la tempête. Mais sans plus attendre, direction les pistes et plus précisément les jumps, puisqu'on va commencer par du big air et du slopestyle. Le but de la manœuvre est relativement simple, caler les tricks les plus improbables en essayant d'arriver en un seul morceau en bas. Et comme le Samsung Snowjam en est à sa 12e édition, j'aime autant vous dire que le niveau devient complètement marteau. Le big air ou comment s'envoyer en l'air et atterrir sur ses deux pattes après avoir rentré le trick qui fera la différence devant les juges, il faut encore une structure bien préparée. C'est le boulot du shaper. Julien Bichet, responsable shaper sur le Samsung Snowjam, nous l'explique. On a construit trois big air là, pour cet événement. Et donc bah, on est en plein dans la préparation, en train de shaper, remodeler la neige pour former nos bosses et aménager les kicks comme on a besoin et comme l'événement le veut. Un big air de compétition, c'est assez simple. Il faut quand même une grosse bosse parce qu'on ne s'adresse pas à une clientèle de station classique. Ce n'est pas des familles, c'est vraiment des professionnels qui ont l'habitude de pratiquer. Donc ils ont besoin d'amplitude, ils ont besoin de longueur. Donc là, comme vous pouvez constater, on a un big air pour la Snowjam qui fait 20 mètres, tout pile. Donc c'est quand même déjà une bonne distance pour plaquer des tricks techniques. Que ce soit en ski ou en snowboard, l'objectif est de bien calculer sa course d'élan afin d'attaquer le kick dans les meilleures conditions. La figure réalisée par le rider au-dessus de la table du big air est alors scrutée par les juges qui doivent noter le trick. Jean-Valère Demare a la lourde charge de coordonner le staff des juges. Big air, quelles sont les choses sur lesquelles vous jugez? Alors, principalement, les paramètres, c'est la qualité de l'envol, des réceptions, ce qu'on appelle le airtime, combien de temps on reste en l'air, et la technicité des sauts. On a la chance ici d'avoir des athlètes internationaux comme Seb Smith, Seb Debuc, et voilà, donc qui font partie des top mondiaux et qui participent au championnat belge. Est-ce qu'on peut être fier d'avoir des Belges au sport d'hiver? On est très fiers, surtout qu'on en a des très forts, et quand on se balade autour de la planète et qu'on en voit le nom Belgique de partout, on l'est de plus en plus. Et ce n'est qu'un début. La Belgique peut se vanter de compter dans ses rangs de beaux champions de niveau international. Et vu le niveau du concours cette année, la relève semble pour le moins assurée. Just call me in the morning. Just call me in the morning.
Cette année encore, le contest Big Air sur le Samsung Snowjam est d'un très bon niveau. Et la victoire finale pour le titre de champion de Belgique n'échappe pas à CP Smith. Moi, j'aime bien le Snowjam. C'est vraiment un contest super amusant pour moi. Je vois tous les amis ici. Il y a de bonnes fêtes et des bonnes conditions de snow. C'est un feeling un peu différent que pendant toute la saison. Je voyage partout et je vois pas beaucoup de Belges. Mais là, tout le monde se connaît un peu. Il y a beaucoup de potes. Ouais, j'aime bien l'atmosphère là, tout le monde fait des bonnes fêtes et je trouve encore que les Belges ils sont les meilleurs dans les fêtes. La météo plutôt clémente jusqu'à présent commence à nous jouer des tours pour l'épreuve de slopestyle. Il n'empêche, le niveau est au rendez-vous et le spectacle assuré. La vie de rider, c'est pas toujours une partie de plaisir. Il faut prendre le soleil, il faut caler des tricks, il faut épater la galerie, bref, c'est loin d'être de tout repos. Pour vérifier ça, nous avons demandé à Sophie Pandeville, notre reporter de terrain, de suivre la journée de rider dès le réveil. Entre les séances d'entraînement, les séances de compétition, mais aussi l'after party, elle n'a pas loupé une seule seconde. Voilà ce qui vous attend si un jour vous voulez devenir un rider pro. Salut Mathieu! Bah, t'es encore en pyjama? Ouais. Et ton frère, il est où? Il dort. Quoi? Et quoi alors, Tanguy? Tanguy, wake up! Allez, putain! Ça va? Non, mais allez! Bon, ça y est, les gars, il est temps, là, on va rider ou quoi? Ouais, les gars, c'est bon maintenant? On y va! Hein? Allez, allez, allez! Et moi, je rejoins tout à l'heure en haut. Allez. Tout rider qui se respecte doit assister en priorité au Riders Meeting. C'est là que sont données toutes les infos et tous les plannings de compétition à venir. Ensuite, c'est direction le snowpark pour une petite séance d'entraînement. Sophie elle-même n'a pu résister à l'appel de la board et trace quelques courbes en toute décontraction. Mathieu sont de vieux habitués du Samsung Snowjam. Ils sont fidèles au poste depuis plusieurs années. Donc on revient régulièrement parce que c'est toujours une bonne ambiance. On se retrouve avec tout le monde, tous les riders. On se croirait presque en Belgique, il y a des Belges partout. C'est flamand, wallon, bah voilà, on se retrouve à boire des bières dans tous les coins. Donc c'est assez marrant de voir autant de Belges à la montagne en même temps. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux et pas toujours sur les pistes. Le Snowjam, c'est aussi, et pour beaucoup, surtout l'occasion de faire la fête. Décidément, la météo en montagne, c'est tout sauf une science exacte. Et l'épreuve du slopestyle se déroule sous de fortes rafales de vent. Ce qui n'a pas l'air de décourager nos deux acolytes riders que Sophie retrouve dans l'aire de départ. Salut les gars! Salut! Ça va? Ça va, Edan. Là, on est au départ du slopestyle. Vous le sentez comment? Un peu nerveux? Un minimum nerveux, c'est normal, c'est la compétition. Qu'est-ce que vous faites pour vous rassurer un petit peu avant de vous lancer?
on déconne, on écoute de la musique. Vous serez sur leur podium? J'espère. Je croise les doigts comme d'hab, même si ça se voit pas. Je croise les moufles. Voilà, je croise les moufles. Bah écoutez, bonne chance les garçons et on se retrouve en bas tout à l'heure. Ça va. Allez. Eh ben, premier run, on est tous les deux tombés, on a été trop loin à cause du vent. Puis sur le deuxième, Mathieu... Même chose, overshoot, trop de vitesse, trop de vent. Ouais. J'ai rien su faire à part tomber et me faire mal. Donc, Pas trop mal, j'espère, quand même. Pas trop mal, mais je l'ai bien senti, quoi, je t'avoue. Et toi, Tanguy, le deuxième run? Ben, mon deuxième run, moi, ça a été. J'ai su faire ce que je voulais, mais je préfère pas m'avancer parce que... On verra les résultats. On s'est déjà trop souvent avancé, ça n'a pas fonctionné, donc on va pas se porter le mauvais oeil. Hors de question pour le rider de base d'aller se coucher sans un petit tour en boîte, histoire de décompresser après une dure journée. Lors du Samsung Snowjam, de grands noms officient derrière les platines, comme DJ Furax que Sophie a eu le plaisir de rencontrer à son hôtel, avant de le suivre sur l'un de ses sets en plein cœur de la nuit. DJ Furax, merci d'être ici. On est ravis de te retrouver aux deux ailes pour le Samsung Snowjam. Dis-moi, est-ce que c'est la première fois que tu mixes en station? Eh oui, la première fois, t'imagines, en plus de 20 ans de carrière. C'est fou, hein? Ah, incroyable, incroyable. Alors, toi aussi, tu fais des sports extrêmes. C'est ça, du ski, c'est ça? Tu vas faire du ski? J'ai fait du ski. Du BMX. Sauter dans l'eau et tout là. J'aime bien, je suis assez partant. Et quand tu vois des sports extrêmes, genre des sauts aériens, des sportifs qui vont au bout d'eux-mêmes, est-ce que ça t'inspire? Ça me donne envie, mais je crois que c'est un peu un rêve. Mm-hmm. Mais oui, c'est impressionnant, oui, vraiment. J'ai du respect pour ça quand je vois des trucs de fou, même plein de choses dans le sport, mais vraiment extrême, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant, oui. Et ça te donne envie de créer des morceaux? Ben disons que ça me donne envie d'aller plus loin aussi, moi, dans mes sons, dans mes recherches, etc. Pour essayer aussi d'accompagner ça. Moi, j'imagine souvent la musique sur ce genre de truc qui peut vraiment bien se coller. C'est souvent ça que j'imagine, quoi. Ça me plairait bien de faire vraiment officiellement un jour des bandes son pour ce genre de choses. Ça me plairait. Ouais, ce serait pas mal, effectivement. C'est bien. Ouais. Tu sais, sans musique, y a rien. Il est temps de faire une petite pause, profitez-en pourquoi pas pour devenir nos friends, que ce soit sur Facebook ou encore sur Twitter. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous les tribus en intégralité sur notre site internet. Dernière chose, c'est la pub, mais restez avec nous car juste derrière, la suite du Samsung Snowjam 2013. Nous ne vous aiderons pas à sortir du lit, ni à faire vos lacets. Nous n'arrêterons pas la pluie de tomber, et nous ne pourrons pas vous donner plus de courage. Bref, nous ne rendrons pas l'effort plus facile. Mais Aquarius sera toujours à vos côtés, pour vous aider à vous surprendre, et montrer de quoi vous êtes vraiment capable. Aquarius, keep moving. Achetez maintenant une bouteille d'Aquarius et recevez gratuitement ce bidon. Plus d'infos sur aquarius.be. Belle RTL, il est 7h, une excellente nouvelle, la victoire de nos Diables Rouges hier soir en Écosse, 3-1.
Place au soleil avec Sandrine Danse, beau fixe, un beau voyage. Ah Thomas, une fois de plus, une destination paradisiaque. On vous emmène à l'île Maurice cette semaine, ses plages de sable blanc. Allez tout de suite, donc, on connaît la chanson musique. Il y a du nouveau dans les chouchis. On fait maintenant des chouchis fluorescents. Belle RTL, vivre ensemble. Ce soir sur Club RTL, trois brigades de légende font parler les indices. Cinq corps attachés ensemble. Il y a au moins 10 ans que nous n'avons plus eu de piraterie. Jusqu'à aujourd'hui. À 20h, les experts Miami. À 20h50, les experts Manhattan. Les oiseaux volaient et d'un seul coup, ils sont tombés comme des pierres. Ouais, mais qu'est-ce qui les a tués? Et à 21h40, les experts. Je crois qu'il était déjà mort à l'atterrissage. À notre tour de faire justice. Les experts remontent la piste du crime, ce soir dès 20h sur Club RTL. Tribus, c'est reparti. Nous sommes toujours aux Deux Alpes pour vous présenter aujourd'hui le Samsung Snowjam 2013, le championnat belge de ski et de snowboard freestyle. Alors dans quelques instants, retour à la compétition avec notamment les épreuves de pipe, mais aussi de ski cross. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter l'homme sans qui tout ceci ne serait pas possible, Tim, l'organisateur de cet événement. Alors Tim, ma première question est toute simple. On en est à la 12e édition. C'est juste exceptionnel d'avoir tenu aussi longtemps. Oui, je pense que c'est la 12e fois qu'on est ici et c'est chaque année qu'on a plus de monde et chaque année, à la fin, j'ai dit, bon, l'année prochaine, on ne va pas avoir la possibilité de grandir encore, mais de retour, on a à peu près 10% de clients en plus, des gens qui vont venir ici pour voir les championnats, donc c'est vraiment, vraiment très bien. Et sur un plan sportif maintenant, on pourrait penser que la Belgique n'est peut-être pas hyper bien placée au ranking mondial parce qu'évidemment on est un pays sans montagne, mais c'est faux. On a par exemple Seb Smith qui est médaillé au X Games, médaillé dans plusieurs dans les championnats mondiaux en snowboard. Est-ce que ce genre d'événement permet de hausser le niveau des Belges? Oui, c'est sûr, hein, parce que s'il y a plus de médias qui vont faire des reportages et tout ça, les gens vont voir que c'est quand même un sport très intéressant où il y a des Belges qui ont vraiment un niveau extraordinaire avec pas que Sepp Smith, il y a aussi comme Catherine Haars qui va aussi aller à Sochi parce que bon, il y a les Jeux Olympiques l'hiver prochain. Oui, et évidemment, en parallèle à la compétition, il y a aussi une grande part à donner à la fête parce qu'il y a plus de 2000 Belges qui font le déplacement. À quoi peuvent-ils s'attendre pendant cette semaine ici, pendant 11 jours hein, quand même, c'est long. Oui, c'est long, ça c'est vrai. Je pense que Snowjam, c'est devenu un peu un festival dans les montagnes. Au niveau des artistes, on a un line-up avec plus que 30 artistes qui sont là. On a le droit de faire 4 après-ski sur une grande place aux Deux Alpes, sur une scène. Donc là, c'est vraiment énorme au niveau d'ambiance. On a même mis une friterie là pour que les Belges peuvent manger les frites. Et après les soirées, il y a une boîte de nuit qui est ouverte jusqu'à 6 heures. Donc c'est vraiment 24 sur 24 et qu'on peut faire quelque chose ici. Oui, donc c'est-à-dire que tous les Belges qui viennent ici viennent à la fois pour admirer les riders, la compétition, mais aussi pour faire la fête non-stop. Et comme tu l'as dit, avec un line-up de fou. D'ailleurs, DJ Furax, c'est quand même une pointure et tu l'avais invité. Comment est-ce qu'ils réagissent quand justement tu leur dis qu'on va jouer en station? C'est un peu particulier comme type de concert. Oui, c'est un peu particulier. Ça, c'est vrai. Pour lui, c'est vraiment la première fois et je pense qu'il a déjà été dans les montagnes une ou deux fois, mais on doit même lui donner des cours, je pense. Mais là, on va voir encore. Mais il l'a dit tout de suite. Je veux le faire, j'ai déjà été un peu partout à l'étranger, mais pas encore dans les montagnes, donc il est bien motivé. Et oui, ici, tout est possible. La preuve, Sophie, notre reporter de terrain, a décidé justement d'emmener DJ Furax sur des skis, sur les pistes, histoire de voir à quoi ressemblent un petit peu ces virages. On regarde ça tout de suite. Merci beaucoup, Tim, et bonne chance pour la suite de l'organisation. Merci bien. Bon, on va aller tester un peu ce petit téléski là-bas. D'accord. Hein ? On va aller voir ton niveau dessus. Alors, pour le ski, attitude de base,
D'accord. Tu viens bien plier les genoux, d'accord. Tu les pousses vers l'avant. Oui. Surtout, tu viens pas t'asseoir, c'est comme sur le tir-fesse. Pas comme ça. Non, ouais. Viens pas s'asseoir. Bon. Allez, je te suis, je te fais confiance. Ça va ? Nickel, salut. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça roule, ça roule. Bonjour Pierre. Bien, bien. Alors, super. Comment ça se passe ? Bah écoute, c'est à lui qu'il faut demander. Ouais, alors. Ça se passe, hein, non ? Mais écoute, pour un début, c'est des bons progrès. Ouais. Ski, le chasse-neige, il commence à l'enlever, hein, donc peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de plus dur, hein, peut-être. Ouais. Mais justement, j'allais vous proposer de monter. T'es sûr ? Ah ouais ? Oh, bah il y a du vent quand même là. Ouais, mais ça, bon, quoi. On est des guerriers. Ouais, mais bon, t'es bien habillé ce matin. Bah, ça va, mais bon, vous me faites un peu peur là. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Top. Go. Partons par là-bas. Allons prendre le gendry. Non, mais ça va, tu te sens à l'aise quand même. Ouais, je me sens à l'aise. Si la pluie ne craque pas, ça va. Bon, allez, allez, ouais, j'ai l'habitude. Ouais. C'est que de la neige, quoi. Finalement, c'est mieux que la pluie, quoi. Allez, je te suis. Allez, c'est parti. Comment ça s'est passé le cours ? Bah, très bien, très bien. J'ai eu un super prof qui a pris patience. En plus, j'étais tout seul avec lui, donc c'est plus facile qu'en groupe. Et il m'a montré un peu les bases. Maintenant, bon, c'est vrai qu'avec les conditions qu'on va avoir en haut, je vais peut-être pas pouvoir me repérer comme je voudrais. On verra. La visibilité va être moins c'est bonne, ça, c'est sûr, ça. Quoi. C'est ça, mais bon, on verra, je sais pas. Je pense qu'en haut, centaines de kilomètres. Il paraît que ça bouge fort, là. Ouais, ouais. D'ailleurs, les bulles sont pas ultra stables. Bah non, ça bouge là. Mais bon, ça va. Je fais semblant de rien là, parce que c'est vrai qu'on est quand même, je sais pas combien de mètres de haut là, mais c'est pas mal. Ah, regarde la montagne est magnifique. C'est magnifique. C'est marrant, là. On voit rien. Oups. Ça commence fort. Wow. Bon, déjà la température était un petit peu différente. Ouais, je crois que c'est. Oui, il y a un peu de vent aussi. Hein. un petit peu. Ouais. Juste un petit peu. Mais t'es un warrior, tu peurs de rien. Ah oui, j'ai peur de rien. Même pas peur. Ah oh, punaise. Oh là 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 là. Ouf. Ah. Bon, on est go ? Bah, il met ses skis. Waouh. C'est violent. Hein. Ah, les conditions extrêmes là, j'adore. C'est parti ? C'est parti. Allez, allez go. DJ Furax en action. Allez. C'est parti. Ouh. C'est bien moi, hein. C'est bien moi, je vais pas vous montrer mes tatouages, mais c'est bien moi. Je vous le jure. C'est un gars qu'on a déguisé, mais c'est pas DJ Furax, quoi. Oui, c'est tu vrai, as rien c'est à vrai. Voir. C'est nous, hein. Allez, vous voyez que dalle, bah imaginez que c'est ce que je vois aussi, c'est-à-dire rien du tout. Je suis là, je suis content. T'as assuré, ouais. Mec. Merci professeur. Hein. Merci. Il mériterait pas un petit quelque chose là quand même. Mais justement, c'est ce que je pensais en descendant. Ouh, écoute, là, bah, je sens qu'on va assister à un grand moment. Peut-être que toi, tu mérites, écoute, hein. Regarde, tu mérites ta deuxième étoile. Oh, ta niveau de ski de deuxième étoile. Parfait. Moi, je dis. Hein, ça passe partout. La classe. Ça passe partout. La classe. Félicitations. Ah, franchement. Pierre, bah, écoute, magnifique. Moi, c'était super. Félicitations. Super. Bah, je suis content. Des DJ qui font du ski, une chose est claire, rien ne se passe comme ailleurs ici aux Deux Alpes. D'ailleurs, en parallèle à la compétition, les Belges présents, et il y en a plus de 2000, ont l'occasion d'essayer du matos, de recevoir des conseils de pros, de s'en mettre plein la panse, de faire la fête, j'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, Sophie a fait le tour du propriétaire et elle me l'a confirmé, l'après-ski ici, c'est genre piste noire, c'est raide dingue. C'est tous les ans, à la même époque, ces fabuleux sommets alpins prennent des teintes noires, or et rouge. Les Belges prennent de la hauteur.
Finalement, Elena, le Samsung Snowjam ici aux Deux Alpes, c'est une vieille tradition. Oui, c'est une tradition. Ça va faire bientôt 12 ans maintenant qu'ils viennent ici donc aux Deux Alpes. C'est un événement vraiment extraordinaire. Moi, ce que j'apprécie surtout, c'est leur convivialité. Ils viennent tous ici entre amis, en famille. Ils sont à peu près 2200. Et c'est vrai, depuis 12 ans, c'est la tradition. Ah, la tradition, y'a que ça de vrai. Le petit fricote sur la place, une bonne fricadelle, et zou, c'est comme à la maison. Et Sophie ne s'en plaindra pas. La voix belge. De plus, tout est fait pour passer du bon temps lors de ces après-ski organisés sur la place centrale. Le Samsung Snowjam, c'est un programme musical live digne des plus grands festivals, offrant tous les types de musique. Pop, rap, métal et bien sûr compétition. Chacun y trouvera son compte. Deux mots d'ordre, la convivialité et la fête. C'est pas un esprit guerrier, hein, la compétition du Snowjam. C'est avant tout la convivialité, d'ailleurs, on le voit. La journée, ça se passe sur le snowpark et le soir, ça se passe dans les bars et les discothèques de la station et toujours sous le signe de la bonne humeur et jovial. Fête en bas des pistes, fête en haut des pistes, il n'y a plus qu'à se laisser porter par l'ambiance. Et si on ne s'est pas pris de gamelle en ridant, deuxième chance en dansant. Le Snowjam, c'est pour les petits et pour les grands, et certains sont plus qu'enchantés de leur séjour. Ah, moi, franchement, je trouve ça énorme, parce que je me rends bien compte qu'on est des gens super motivés et qu'on est toujours là pour faire la fête. Et je trouve ça vraiment super comme organisation. On est vraiment super étonnés, Mélina et moi, et voilà. C'est hyper bien organisé, quoi. Franchement, il y a un milliard de trucs différents tous les jours et on n'avait jamais vu ça auparavant, même dans d'autres organisations de ski. He watches you from behind, so she knows it. On a l'ambiance, on a le Snowjam, on a la baraque à frites en bas de la station. On se retrouve dans notre pays, même s'il est plat, on est en bas de la station, on a notre petite baraque, on a cette ambiance belge, vraiment l'ambiance belge qu'on peut avoir que les Français n'ont pas. Mais si, long, une fois par an, quand on débarque. Mais rassurez-vous, à côté de l'esprit très festif du Samsung Snowjam, les riders prennent la compétition très au sérieux. Il faut dire qu'il y a quand même un titre de champion de Belgique à la clé. Place maintenant aux disciplines de pipe et de ski cross, et que le meilleur, pardon, le plus fou, gagne. Ça s'appelle un jour blanc, c'est-à-dire qu'on ne voit rien, rien que du blanc, mais il en faut plus pour décourager les riders au départ de l'épreuve de ski cross. La discipline est simple dans son principe, à ski ou en snowboard, 4 par course et le premier en bas a gagné. En jeu, un titre de champion de Belgique. Retour du soleil pour l'épreuve de Halfpipe. Il s'agit de rentrer les tricks les plus aériens et les plus techniques dans cette demi-lune tracée par les Shapers. Ne nous méprenons pas, la discipline est hyper technique et relativement dangereuse. Une erreur peut vous envoyer vous fracasser sur l'arête du pipe. L'une des
des figures emblématiques de la discipline pipe en ski, c'est Catherine Hartz. Elle représentera notre pays lors des prochains Jeux Olympiques de Sochi. Le pipe s'est bien passé pour moi. Je sais pas encore les résultats, mais je pense que j'ai gagné, quoi. Donc je suis contente. Le Jeux Olympiques, je fais la discipline half pipe là-bas, donc je suis très contente que je peux y aller et je vais faire mon mieux et j'espère sur un beau résultat là-bas. En attendant Sochi, des résultats, il y en a eu en cascade lors de cette 12e édition du Samsung Snowjam. Les meilleurs sont repartis avec un titre, une coupe ou une médaille, et tout le monde avec l'envie de revenir vivre une 13e édition. C'est sur ces images que nous allons clôturer ce tribut consacré au Samsung Snowjam 2013. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau magazine de l'extrême. D'ici là, achetez une planche de skate, faites du saut en parachute, venez sur les pistes, mais ne restez pas au canapé, la vie est trop courte. Salut! Retrouvez le Snowjam avec le nouveau Samsung Galaxy S3 Mini.